Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cet épisode du Guitar Vlog consacré ce soir à l'harmonisation de la gamme hongroise majeure. Donc le truc, on s'est fait les positions juste avant et maintenant on va se faire l'harmonisation pour que vous écoutiez un peu harmoniquement parlant ce que ça engendre. Donc je vous rappelle vite fait pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos présentes sur le sujet, la gamme hongroise majeure c'est en fait comme le lydien bémol 7 mais avec une seconde augmentée. Je vous fais écouter Do, Ré dièse, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si bémol, Do. Ok. Et au niveau harmonique, je vais vous décrire les degrés, donc chaque degré. Donc premier degré, ce sera un Do septième. D'accord. Deuxième degré, ce sera un Ré dièse diminué. Troisième degré, ce sera un Mi mineur majeur 7 bémol 5. D'accord, ça ce sont des accords qu'on retrouve dans la gamme diminuée, mais là en chiffrant en fait, si je veux chiffrer chaque degré en fait de cette gamme, étant donné les altérations, je suis obligé de faire tout ce petit micmac en fait. Donc Do 7ème, Ré dièse diminué en 2ème, Mi mineur 7, donc Mi mineur majeur 7 bémol 5. Donc en fait c'est un accord qui comprend fondamental, d'accord, tierce mineure, quinte bémol et septième majeur. Ok, après nous aurons un Fa dièse mineur 7 bémol 5. Ok, donc là assez classique. Après nous aurons un Sol mineur majeur 7 dièse 5. Mineur majeur 7 dièse 5. Après nous aurons un La mineur 7 en 6ème degré. Et en dernier degré, donc on aura un accord un peu bizarre. C'est un Si bémol majeur tierce augmentée, quinte augmentée et septième majeur. Et après nous aurons notre Do 7 à l'octave. Donc je vous récapitule tout ça. C'est bon la musique les gars. Ça, la musique, c'est vraiment le top. Premier degré, septième. Deuxième degré, Ré dièse diminué. Troisième degré, Mi mineur. Mineur majeur 7 bémol 5. Quatrième degré, Fa dièse mineur 7 bémol 5. Cinquième degré, Sol mineur majeur 7 quinte augmentée. Sixième degré, facile, La mineur 7. D'accord. Et septième degré, Si bémol tierce augmentée, septième majeur et quinte augmentée. Tierce augmentée, quinte augmentée et septième majeur. L'harmonisation de base, donc vous pouvez le faire, vous amuser, si jamais cette gamme vous intéresse, ça il faut le faire dans tous les sens possibles imaginables. Si par exemple je m'amuse à le faire en triade, donc en triade donc fondamentale, tierce, quinte, d'accord, j'aurai majeur, Ré dièse mineur bémol 5, Mi mineur bémol 5, Fa dièse mineur bémol 5, Sol mineur plus 5. Et ça nous donne une triade en fait de Mi bémol majeur, ok. Mais là, comme on considère que Sol c'est la fondamentale, ça nous donne mineur plus 5.
La mineur, 6e degré. Et si bémol plus tierce augmentée, quinte augmentée. Pardon, je me suis planté. Ça nous donne en fait ni plus ni moins qu'une triade de ré dièse mineur en fait, hein, mais basse de si bémol. Donc do majeur, ré dièse mineur bémol 5, mi mineur bémol 5, fa dièse mineur bémol 5, sol mineur quinte augmentée, mais c'est une triade majeure, mais on pense la fondamentale en sol, donc c'est pour ça que ça sonne, c'est pas à une triade, enfin c'est une triade de mi bémol majeur, enfin de ré dièse majeur, basse de sol, d'accord. La mineur, et après nous aurons une triade de si bémol, tierce augmentée, quinte augmentée, mais parce que je considère que voilà, mon si bémol est ma fondamentale, et que je considère en degrés, si vous voulez, et pas en... Je considère vis-à-vis des degrés de la gamme qui sont quand même assez spéciaux, quoi, voilà. Après, si par exemple je m'amuse à renverser les triades et que je fais par exemple cette forme-là. Donc là, j'ai ma triade de Do majeur, mi, Do, donc à l'octave, et Sol. Et si je m'amuse à harmoniser comme ça, ça nous donnera ça. Do majeur, ré dièse mineur bémol 5, mi mineur bémol 5, fa dièse mineur, bémol 5, sol mineur quinte augmentée, donc il n'est ni plus ni moins qu'une triade de mi bémol majeur, mais comme je vous expliquais tout à l'heure, là c'est facile, c'est juste une triade de la mineur, d'accord. Et après nous avons si bémol, tierce augmentée, quinte augmentée, qui n'est ni plus ni moins qu'une triade de ré dièse mineur. Mais voilà, vis-à-vis des degrés, comme je vous disais, on est obligé de considérer ça. Ok ? Super intéressant. Do majeur, ré dièse mineur quinte bémol, mi mineur quinte bémol, fa dièse mineur quinte bémol, sol mineur quinte augmentée qui n'est ni plus ni moins qu'une triade de mi bémol majeur, mais que à cause des degrés on le considère comme ça, voilà, parce que si je parle de sol et pas de mi bémol. La mineur, bon là c'est facile, d'accord. Et après, si tierce augmentée, quinte augmentée qui n'est ni plus ni moins qu'un ré dièse en fait mineur, mais qu'on est obligé de considérer un peu spécialement à cause des degrés en fait. Pardon. Thank you.
Donc je récapitule, pardon, à 4 sons, donc Do 7ème, premier degré, Ré dièse diminué, deuxième degré, troisième degré, Mi mineur majeur 7, bémol 5, Fa dièse mineur 7, quinte bémol, Sol mineur majeur 7, quinte augmentée, La mineur 7, Si tierce augmentée, quinte augmentée, septième majeur. Si vous voulez, en fait, c'était comme un accord, en fait, septième. D'accord ? Sauf que toutes les parties, en fait, à part la fondamentale, sont augmentées d'un demi-ton. À l'inverse d'un accord diminué. Où, en fait, c'est un accord septième, où chaque degré, à part la fondamentale, c'est logique, est diminué d'un demi-ton. Et bien là, ça sera pareil, mais augmenté d'un demi-ton. Et après, Do septième. Intéressant toutes ces sonorités, les gars. Donc voilà, hein, j'espère que vous allez bien, tout ça, que ça vous... Bon, c'est pas compliqué, hein, franchement. Après, de tout connaître, les modes, là, la vidéo sur les modes qui arrive, c'est... Les modes, c'est autre chose encore. Sachant que là, il faut utiliser... se débrouiller d'utiliser cette gamme, voilà, dans un contexte... faut le faire sonner, quoi. On va essayer avec mon piano. Je vais nous faire un accord septième de base. Ça sonne bien cucu la praline, d'accord. Allez, je mets un petit ton. On va voir ce que ça donne. Thank you.
voilà, sur un accord septième de base, ce que ça peut donner. Allez les gars, c'est parti, à demain pour de nouvelles aventures. Bye, ciao.